dans la santé comme dans la maladie, Christ pour moi. Le cœur content, les m'a souffri, Christ pour moi. Christ pour moi dans bon temps comme dans mauvais temps. Christ pour moi, les gars l'appui. Christ pour moi, les gars neige cap tombé. Christ pour moi, les soleils levés. Christ pour moi dans fer noir, Christ pour moi dans lumière. Christ pour moi dans moment maladie, Christ pour moi dans moment santé et Christ pour moi dans moment pandémie. Et dans l'heure n'a parlé là, Christ pour pays d'Haïti dans date 7 février ça nous est aujourd'hui en 2021. Et nous disons bon Dieu merci parce que Christ pour pays d'Haïti et n'a demandé bon Dieu pour le faire Haïti pour Christ également. Frère Maxime, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous ensemble matin, hein, dans la maison de Dieu, en vue de le célébrer, de l'adorer et de l'exalter. Donc pour cela, on nous adresse une prière à Papa mon Dieu qui est dans le ciel là, qui commence à assister nous dans le service non, et qui a continué. Et n'a pas demandé lui pour lui prendre part entièrement dans l'étude parole lui avec nous matin. Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Passe-toi avec nous jusqu'à 7 heures. Parce que Seigneur, dans bon temps comme dans mauvais temps ou pour nous, dans santé, dans maladie ou avec nous, dans fer noir, dans lumière ou avec nous, et n'a pas traversé gros de l'eau ou pas quitter nous pour compte nous. Et même les noms du fait au Seigneur ou avec nous. Ça rappelle nous vitement l'histoire des trois jeunes Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, qui étaient convictionnellement étaient d'accord pour ne pas adorer statue que le roi Nebuchadnezzar a dressé. Et vous avez une ferme conviction pour vous dire, mon roi, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Nous ne pouvons pas fléchir genoux nous devant aucune statue parce que nous apprenons qu'on est et nous croyons. C'est devant mon Dieu seulement qui se mettre à mettre ciel là, nous sommes capables de fléchir genoux nous pour nous adorer. Et c'est comme ça, sans pitié, vous avez ordonné soldats yo pour te prendre trois jeunes croyants sa yo pour te laguer dans fournaise très ardente. Monsieur rentré dans fournaise là avec conviction encore une fois. Il dit mon roi n'a rentré sachant que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Et si toutefois, oh gloire à Dieu, comme a dit Jésus-Christ, ce n'est pas sa volonté, n'a pas rentré et nous accepter pour nous rentrer. C'est ainsi que quelques heures après, peut-être, le roi a vu les yeux à travers du feu. Il était voit trois mounes. Il était voué trois mounes, mais il voit quatre mounes. Et lui-même, à bouche, il témoignait quatrième nom, il semblait à petit bon Dieu. Oui, Seigneur, nous connaissons pas pour compte nous. Souvent, nous chantons, nous pas pour compte nous. Mais dans quelques situations dans la vie, hein, nous consentons abandonner, nous consentons dans la solitude. Mais n'oubliez si Jésus-Christ bat nos garanties. Il dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Donc matin, Seigneur, si tu as gagné dans nous, à la suite de une situation, à la suite de une circonstance, et qui t'a voulu oublier pour mes souillons. Et qui t'a voulu, Seigneur, oublier que on te promet que tu vas pas avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, pendant que Seigneur frappe votre cœur, fais-en songer que promesse sous yo c'est oui à Kamen. Et même là, on pas senti présence sous dans la vie, ça pas veut dire que on absent. Même Jean Assila qui t'a écrit un texte anonyme dans une situation qu'il payait, il t'a pas avancé. Et il t'a senti confortable dans la situation et plus il a pas avancé. Il sentit inconfortable. Et puis, bon Dieu était avec lui. Tout au début de la situation, bon Dieu était avec lui. Mais là, il n'a pas foncé, enfoncé davantage.
il ne vient pas sentir la présence de Dieu. Il criait, il dit, Seigneur, pour qu'il soit abandonné, tandis que dans le moment où il était géré pour contre moi, ou était avec moi, mais comme il ne sentait pas capable, ou abandonné. Et puis il entend des voix Seigneur qui parlent, qui dit, regardez non. Si vous êtes deux pieds, ce n'est pas deux pieds pas ou c'est deux pieds pam. Situation tellement difficile qu'on y a assez sous comme pour toi. C'est ça qu'il ne faut pas avoir quatre pieds ou deux pieds. Seigneur, nous gagnons assez pour nous rassurer nous que nous pas pour contre. Nous gagnons assez pour nous rassurer nous que nous pas abandonner nous, mais on l'a avec nous. Donc maintenant, nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous déjà. Et pour ce qu'on fait pour nous dans le moment que nous avons parlé là, et pour ce qu'on fait pour nous dans ta cabine. Et surtout dans ta cabine, on a besoin plus que jamais. Parce que ta cabine, on t'a semblé plus mauvais que tu as vivre aujourd'hui. Donc nous prions pour ceux-là qui t'a semblé perdu la foi. Nous prions au Seigneur, touchez-y. Fais-y reprendre courage. Fais-y reprendre force pour nous continuer route là. Et si là où tu as tombé malade dans le temps, nous ne croyons pas bon. Nous prions toucher avec main divine, avec main guérissante. Et c'est comme ça un miracle va opérer la caille. Avant même que vous n'ayez fini, on va sentir bien, bien pour vous faire gloire. Non. Nous prions pour chaque monde, Seigneur, qui brave snow ça, qui brave neige ça, Seigneur. Malgré temps menaçant, temps très mauvais, et nos snow a tombé, neige a tombé sous neige qui était là déjà, mais pourtant, ils sont venus. Ils sont venus, ils ont porté offrande cœur au baou, matin. Et nous ne pouvons pas quitter aller pour ça, pour le fait qu'ils ont sacrifié pour venir dans le temple, et bien, nous-mêmes, on a déjà fait sacrifice. Pour la gué yon bagay nan men ou pour pas sortir comme ça. Seigneur, merci. Et si la ou pas ka vini, on va mandou Seigneur, on va visiter. On prie pour les malades. On prie pour si la ou qui est infecté par COVID-19, coronavirus. Seigneur, la vie ou nan men. Donc on est capable de faire toute bagay, toute force dans volonté. Assiste nous comme ça, Seigneur. Pendant que nous pral parler selon ta parole. Pas quitter aucun esprit personnel, esprit égoïste, esprit qui pas de nature pour glorifier non, t'a accaparé non, mais chasser tout esprit ça loin de nous-mêmes et quitter cet esprit bon Dieu seulement qui remplit nous et remplit corps nous, cœur nous, âme nous avec l'esprit nous et pour nous parler selon nous-mêmes. Fais ça pour nous, c'est écrit cœur nous, dans nos Jésus nous demandons ça, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, au matin, hein? Comme nous connaissons, moi toujours senti moins fier, moi toujours senti moins privilégié pour moi en présence Seigneur avec Frère Maxime, qui inlassablement, infatigablement, toujours fait le devoir pour venir en présence de mon Dieu, sachant que il a rencontré mon Dieu pour gagner une assurance. Que demain, pas dans mes yeux, mais demain c'est dans mes bon Dieu. Donc maintenant, nous gagnons plaisir pour nous venir avec un autre sujet. Nous espérons que vous êtes capable d'intéresser, qu'on est. C'est le parler en langue. Le parler en langue. Non pas sans savoir que à travers nos églises, surtout les églises pentecôtistes, pour ne pas dire les églises baptistes, adventistes et autres, les églises pentecôtistes yo pratiqué en pile ça nous a relé la manifestation du parler en langue les moun nan et pendant y a prié y a chanté et pour les moun nan li transformé gagnen un événement qui passait à travers moun nan qui peut-être personne pas capable sentir et pour langage moun nan changé et puis la parler une langue qui totalement inconnue à langue que nous parler dans la communauté. Donc, maintenant, bon Dieu mette sous cœur nous pour nous faire yon tira aller mener vini sous étude, sous sujet ça qui c'est le parler en langue. Donc, juste avant, étant donné que le sujet c'est le parler en langue, donc deux mots que nous focus sous lui avant même nous rentrer à plein pied dans le sujet, c'est parler et ensuite langue. Parler, c'est qui ça? Parler, c'est un moyen de communication. Donc, on dit que parler, c'est communiquer. C'est exprimer par la parole. Il y a un bagage senti en dedans que personne ne connaît. Pour faire l'autre monde connaître, pour faire l'autre monde parler de lui, ouvrir bouche, et puis ça, en dedans, on met le dehors. C'est ça, parler. C'est révéler également ça qui est caché en dedans.
Donc, en d'autres termes, parler, c'est pouvoir s'exprimer au moyen d'une langue. Le parler, c'est parce que vous êtes capable de dire à bouche. Sans envie de dire, mais c'est dans une langue. Donc, nous tous là, nous parlons créole. Il y en a qui parlent un peu français, il y en a qui parlent un peu anglais, et même il y en a qui parlent un peu espagnol. Donc tout ça, c'est langue, et ils permettent de nous exprimer nous, pour nous faire comprendre ce qui a passé en dedans. Donc c'est ça, parler. Parler, encore une fois, c'est communiquer, exprimer par la parole, et c'est pouvoir pour exprimer au moyen de la langue. Maintenant, langue. Les gens disent langue. Nous voulons prêter attention. Les noms dit le parler en langue. Langue ça n'est pas singulier, n'est pluriel. Il écrit L A N G U E S. Il y a S là dedans pour ça parce que les noms dit le parler en langue. Ils ont parlé de toutes les langues dans le monde. Donc langue c'est qui ça langue? Donc, pour nous porter plus précision, nous pas parler de langue. Ça a nous en dans bouche nous qui c'est un organe, bien entendu, un organe du goût. Parce que c'est avec langue ou prend goût. Donc, dans cinq sens nous gagnons, nous connaît bien et on dit l'homme a cinq sens, bien que nous dit ça déjà, l'homme a plus que cinq sens. Mais les sens du corps, tout le monde connaît ça, c'est lui. Qui ses oreilles nous, la vue qui ses yeux nous, l'odorat qui ses nez nous, le goût qui ses langues nous et le toucher qui ses doigts ou bien qui ses mains. Donc c'est cinq sens ça yo ben nous, mais pourtant il y a plus que cinq sens. Ça c'est peut-être les sens du corps, mais il y a les sens également pour l'âme et il y a également les sens pour l'esprit. Donc l'homme pas capable vivre seulement avec cinq sens. L'homme a plus que cinq sens. Parce qu'il y a sens pour l'homme, il y a sens pour l'esprit. Donc, étudier maintenant les sens de l'esprit, les sens du corps et les sens de l'âme. Mais nous voulons te ouvrir une petite parenthèse pour une fois qu'on est langue n'a pas l'air. Ce n'est pas langue qui est en bouche, qui est un organe. Et nous avons dit organe du goût qui est musculeux, allongé et mobile, placé dans la bouche. C'est pas de langue ça. Langue ça n'a pas parlé à le singulier. Féminin singulier, il écrit L A N G U E période, il pas dit ça. Mais le nom dit le parler des langues, le parler en langue. Non dit c'est un monde qui a parlé toute langue qui gagne. Donc c'est ça. La Bible dit le parler en langue pas gagne limite dans langue. Donc c'est ça. Donc en d'autres termes, langue c'est moyen de communication propre. Langue que nous parlons, c'est moyen de communication propre à une communauté d'individus. Par exemple, en Haïti, nous parlons créole. C'est ça une langue. Ok? C'est moyen de communication et que une communauté gagne pour exprimer yon avec l'autre. Et yon utilise langue en tout, comme on dit, pour exprimer yon, pour communiquer entre eux-mêmes. Par exemple, la langue créole, la langue française, la langue anglaise. Mais maintenant, en Haïti, nous connaissons pas les créoles. Tout le monde parle créole en Haïti. Pas qu'un haïtien qui parle créole. Mais pourtant, c'est pas tout haïtien qui parle français. OK? Donc ça veut dire que si a dit qu'il langue nous en Haïti, n'a dit c'est créole. Et qui t'aime tout profiter de ça, grand série de monde yo qu'on entraver tête yo par exemple, les yo dans immigration ou bien yo dans you know, côté quelconque, il y a besoin d'interprète. Il demande quelle langue parler en tant que haïtien, il dit parler français. Donc là on dit parler français et pourtant il y a un africain qui sorti Côte d'Ivoire, un africain qui sorti Burkina Faso, un africain qui sorti Tunisie qui parle français et puis on dit nous avons chère madame ou bien cher monsieur un interprète. Et puis les monde a commencé à parler c'est en français. Et puis, ouais, haïtien pas comprendre. Ça veut dire que haïtien dit le parler français. Donc, faut nous faire un peu attention. Les noms vont côté. On pas besoin de gêner. C'est créole qui l'ont nous. Nous disons nous parler créole. Ou l'inal dit le parler français. Et puis, mais on peut tout le monde devant nous pour parler français. Et puis, nous pas comprendre. Donc, prenons un peu attention. Donc,
Et si nous parlons créole en Haïti, mais aux États-Unis, on parle anglais. Il y a des pays où on parle plusieurs langues. Par exemple, le Canada, on parle anglais et français. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Il y a des gens qui parlent français seulement au Canada. Mais le Canada, c'est un pays bilingue. On parle deux langues. Mais ça nous a dit matin, combien de langues qui gagnent dans tout le monde ça? Combien de langues qui gagnent? D'après une statistique qu'on fait, un dénombrement qu'on fait, yo wè nan tout moun lan gen environ 7000 langues. Nan tout moun lan gen environ 7000 langues. Mais pourtant sans yo pas compter ça yore les dialectes. On va l'expliquer bien. Gen 7000 langues mais gen des milliers de dialectes. Gen pile moun ki rele au patois. Gen pile moun ki rele au colloquial, gen pile moun ki rele au broken language. Quel que soit nou yo ba yo, mais en dehors de 7000 langues que le monde gagne, le monde entier parle, mais gagne ça qui rele dialecte. Qui ça dialecte là? Et bien dialecte là, c'est dans une langue qui sorti, c'était non ta ka dit c'était quoi des petits jargons. Et nous parlons quelques exemples. Dans la langue, vous parlez, mais dans la langue, il y a une série de petites expressions, une série de mots, vous prenez sous pas dans la zone ou pas connaître. Et nous avons dit ça a un caractère régional ou bien sectoriel. Pour ça, parce que c'est un secteur bien déterminé, une région, ou capable de joindre quelques monde malgré la langue de parler, mais vous avez des jargons entre vous, des expressions entre vous, c'est seulement les vous parlez le commun. Donc, pour mon exemple, qui est beaucoup plus clair pour capable comprendre. La caille nous parle créole, mais pourtant, l'arrivée au cap haïtien, il y a un jargon. L'arrivée au caille, il y a un jargon. L'arrivée dans la Tibonite, il y a un jargon. Par exemple, il y a des bagailles, il y a des termes qui utilisés dans la Tibonite, l'autre dit que nous ne comprenons pas. Il faut que nous dans la zone seulement. Il y a des termes qui arrivent en pleine, ils utilisent en pleine, si pas sont en pleine, nous ne connaissons pas. Ça, ça veut dire. Ça, il y a le dialecte. Et on nous prend un exemple. Le cap haïtien. Comme tout ça, son zone moi remet en pile malgré beaucoup jamais fait zone là, moi vivre seulement plaisance, beaucoup vivre au cap. Mais moi connais m'étendre cap ou cap parle. Oya. Moi connais déjà parler mais c'est ça n'ta carré le dialecte. Malgré ce que on lui parler, mais on qui va camper avec ou là il a parler ou pas comprendre. Parce que dans côté au sorti dans région côté oya, dans localité côté oya, yo gien une série de petits jargons qui propre à eux-mêmes. Le conseil de petites expressions qui propre à eux-mêmes, une série de mots, c'est au seul qu'à comprendre. Donc, me dit tout ça, c'est parce que moi voulais venir dans ce sujet nous pas écarté qui c'est le parler en langue. M'a cité quelques peut-être vous connaissez déjà qui sont au cap. Par exemple, Léon Caprois ou bien qui sont au cap du Kinom. Kinom. Et si on monde passe au cap, pour pas bien mon au cap, ou pas prendre ça Kinom veut dire. Mais pourtant c'est créole lui. Yo dit qui nomme, mais qui nomme le dit ça c'est pam. Et moi c'est tout haïtien connaît ça c'est pam, mais c'est pas tout haïtien connaît qui nomme. Et gion l'autre encore, moun yo kon di sifé au cap. Lò dit sifé. Sifle veut dire oui, sifle veut dire ça dit c'est vrai. Et pas tout monde qui connaît ça. Et me sûr que c'était gagnant non pas comme ça. Au cap là on a dit sifé. Il veut dire oui, il dit ça dit c'est ça. Et pour nous un deuxième ou troisième. Là on dit akem. Au cap. Ça dit ça akem. Ça ça veut dire avec moi. Akem. Vin akem. Vini avec moi. Vin akem. Donc non pas dit plus que ça parce que t'as fait nos défauts. Et faut que nous finissions, ça va faire aujourd'hui. Donc, c'est une façon pour me dire que c'est ça, il y aurait les dialectes. Malgré ces créoles, mais l'arrivée dans la zone, il y a des expressions, il y a des mots que nous avons utilisés. Si ou pas dans la zone, on ne peut pas comprendre ça. Nous allons retourner dans ce sujet immédiatement qui c'est le parler en langue. Nous avons dit que le parler en langue ou après langue au pluriel,
Pour que ça, parce que c'est pas la langue qui est dans la bouche, non, c'est pas une grande langue tout. C'est un don lié, le don du parler en langue son don. Donc si son don lié, c'est que faut qu'on a, bon Dieu, Saint-Esprit capable de parler moyen pour parler toute langue qui est dans le pays, même les dialectes. Parce que c'est bon Dieu qui a baillé mon don. Et ça, quand on dit le don du parler en langue, ça veut dire que bon Dieu baillé mon don pour parler en langue qu'il ne peut jamais apprendre, qui n'est pas langue maternelle et pas jamais à l'école pour le déconner. Mes amis, mes frères et sœurs, le parler en langue est mentionné pour la première fois le jour de la Pentecôte. On va regarder ça bien vite dans Exode. Chapitre 2, verset 1, verset 2, verset 3 et verset 4. T'as pas de ouvrir Bibou avec. Excusez-moi. Ouvrir Bibou avec ou qu'on y a dans Exode chapitre 2, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, pour la première fois, la Bible fait mention du parler en langue. Et nous voulons matin que vous compreniez que l'on monde beaucoup de l'église ou l'on pasteur campé parce que t'as pas l'église propre bon langage changé. Et à partir d'études ça matin excusez-moi vous pouvez connaître est-ce que c'est un bagage qui est vrai en accord avec la Bible ou du moins est-ce que son bagage qui est normal c'est ça fait gagner l'église qui met une interdiction avec bagage ça parce que vous compte faire pile des autres et donc elle dit ça non. Non, c'est pas que le pas biblique. Le parler en langue biblique, c'est parler dans votre texte. Pour nous prouver ça, mais cependant, je m'excuse. Cependant, et Jean Ophélie lit pas en accord avec la parole de Dieu. Merci. Acte le chapitre 2. Acte le chapitre 2. N'appli à partir du verset 1er pour arriver au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il la parlait des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, d'ailleurs, on souligne ça, des langues. C'est pas une langue, des langues. Semblables à des langues de feu. Leur apparure séparait les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour la première fois, dans toutes les Écritures, les Saintes Écritures, à savoir la Bible, le parler en langue est mentionné ici dans Actes, le chapitre 2, versets 1 à 4. Well, les apôtres, ils étaient allés annoncer l'Évangile aux foules, en parlant à chacun, dans sa langue, dans sa propre langue. Voilà ce qui est écrit. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Acte chapitre 2, le verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans des langues des merveilles de Dieu? Le jour de la Pentecôte, nous comprenons ça déjà. Avant Jésus-Christ monter dans le ciel après sa résurrection, il avait promis aux disciples de leur envoyer un autre consolateur qui n'est autre que le Saint-Esprit. Et puis, monsieur, au groupe ensemble, dans la chambre haute, pendant monsieur a prié, la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit remplit monsieur, et puis ils commencèrent à parler en d'autres langues. Langue qui parle, langue parle. Étant donné que tu as pile peuples, différentes nations, et puis chaque peuple attendait monsieur à parler, disciple à parler dans la langue paille. Quelle merveille!
miracle extraordinaire. Chaque peuple, on a dit que les Chinois, les Américains, les Français, les Japonais, les tout peuple, les Grecs, les tout peuple qui est sur la terre, puis chaque peuple qui était là, il entendait monsieur a parlé la langue par autant que monsieur pas jamais connu langue auparavant. Donc le parler en langue, c'est un don. Un don distribué par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné ça. La question pour nous ça, parce que c'est l'esprit seulement qui gagne comme job pour distribuer les dons. Tout don que nous recevons, c'est l'esprit de bail. Parce que c'est le job de l'esprit. Donc, c'est ça. Mot grec pour langue, livre dit littéralement langue en grec. Le don de parler en langue est donc le fait de parler une langue qu'on ne connaît pas afin de rendre un témoignage à qui la comprend. Attendez. Le bon Dieu parle un don pour parler en langue. Qui ça lié? C'est une langue qu'on pas de jambes qu'on pas à l'école pour apprendre. Je veux dire, qui s'est passé? Il y a un peu de monde qui parle plusieurs langues. Ça que nous sommes tous, et Canada, son pays bilingue lié. Je veux dire, c'est un bilingual country. Côté, il parle deux langues. Il parle français, il parle anglais. Il y a un monde qui parle une langue. Il y a des gens qui parlent créole, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent espagnol. Nous savons parler quatre langues. À partir de deux langues, il y aurait les gens bilingues. Nous avons fait râler mes amis avec vous parce que les bagages sont fortes aujourd'hui puisque nous parlons de langues, vous êtes obligés au courant de vous. À partir de. Les gens qui parlent en langue, les gens qui parlent deux langues, ils sont bilingues. Bilingues. Les gens qui parlent trois langues, ils sont trilingues. Choilingues. Mais les gens à partir de quatre langues, ils sont polyglottes. À partir de quatre, cinq, six langues, ils sont polyglottes. Ils sont même venus avec hyperglottes. H-Y-P-E-R-G-L-O-T-T-E. Il y a des hyperglottes. Il y a commencé à partir de 5 ou 6. Il y a des polyglottes qui parlent plus que 4 langues. Mais les gens ont commencé à partir de 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 11 langues. Il y a des polyglottes. Il y a des hyperglottes. Ce n'est pas ça que nous parlons. Même si vous parlez 12 langues, vous n'avez pas de don parler en langue. Faut pour vous n'avez pas de don parler en langue, il faut parler toutes langues. Toutes 60, toutes 7000 langues, nous avons dit que le monde parle. Il faut que vous n'avez pas de cet esprit. Les gens ont don ça le bail si mon arrivé quelque soit côté sur terre cet esprit vient utiliser pour pas un message dans langue là il faut le parler même nos dialectes qui gagne des milliers de dialectes que nous sommes mentionnés faut que mon prêt est-ce que on monde qui parle 7000 langues non est-ce que on monde qui parle des milliers de dialectes non il y a monde qui parle pile dialecte il y a monde qui parle pile langue mais au pas jamais pas qu'un monde sur terre qui parle 7000 langues pas qu'un monde sur terre qui parle des milliers de dialectes mais pourtant cet esprit il est capable de faire un parler 7000 langues, il est capable de faire un parler des milliers de langues. Parce que ça, c'est la langue, c'est langue même, c'est pour bon Dieu. Et ça, n'a pas besoin de retourner dans Genèse, côté, nous parlons de la langue commencée, dans disperser monsieur qui a construit la tour de Babel. C'est là, la langue n'est que changée. Nous n'avons pas besoin d'arriver jusque-là, ni retourner là. Mais nous voulons dire, parler en pile langue, pas voulait dire que. Ou gagner le don du parler en langue. L'on parle en langue, deux langues, l'on bilingue. L'on parle trois, l'on trilingue. L'on parle quatre, cinq, l'on polyglotte. Mais ou pas qu'arriver à parler 7000 langues. Donc, et tout, pourtant, le don du parler en langue, c'est que mon bon Dieu, qui servi avec lui, parler quelle que soit la langue qui gagne dans le monde. Nous voulons établir différence à vous. Donc, et que, on a continué. Pour nous arriver côté de arriver. Pour qui ça, mon Dieu, bah, don parler en langue. C'est pour ce parce que dans le jour ça, les disciples sont réunis. Nous voulons comprendre bien pour l'homme qui a parlé en langue. Pour moi, depuis ça, je parle en langue. Est-ce qu'il y a une raison pour l'homme qui a parlé en langue? Parce que si pour parler en langue, il faut une raison. Je ne peux pas camper là, nous tous ces haïtiens, nous tous comprenons créole. Et puis pendant que je prêche là, et puis langue m'a changé, je parle dans l'autre langue. À qui fait? Alors, il faut avoir une source pour nous écouter parler en langue. C'est que je vous prends compte là, tu n'as pas qu'une nation qui est réunie là, tu n'as pas parlé langue monsieur, ok? Donc, cet esprit font venir, ils font miracle,
li bay monsieur yo chaque yon langue différente pour parler pour chaque nation comprendre la langue pa. Vous devez comprendre bien parce que bon Dieu pas fait rien en désordre car notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline, il n'est pas un Dieu de désordre. Alors là camper pour mon camper à parler la prière la langue, nous ça pas parler avoir parce qu'on pas comprendre. Langue la parler on pas connaître. Donc qui nécessite gagner pour me c'est haïtien, pour nous l'église haïtienne m'a parler. Qui nécessite gagner pour me c'est américain, c'est anglais, me parler tout le monde qui là aussi anglais, on parler m'a parler la langue. La nécessité du parler en langue, c'est lorsque gagne des monde na assemblée, hein, gon message bon Dieu voulait faire passer. Moun n'a pas parlé langue ou parler, hein, et puis cet esprit bon langue là ou parler et moun n'a comprendre. Mais sinon tout parler, sinon tout parler créole, pas de nécessité pour moun n'a parler l'autre langue. Pour qui ça? Soit dit à dire la créole, n'a pas comprendre. Mais moun n'a arrêté abala chimala kamala. Ouais. On continue. On regarde dans alors bien entendu dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. On va remettre la ca au lit parce qu'il a bon la bon pile détail en ce qui a trait au don du parler en langue. En 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14, mais qui ça Paul dit? Paul parlait des dons miraculeux. Et maintenant frères et sœurs, en quoi? Tenez ça Paul dit. Paul dit: en quoi serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation? Paul dit, mais à qui ça s'est servi si je suis venu contre là et puis c'est en langue à parler au lieu de venir avec une parole de révélation? Un bagage pour Dieu révéler m'douli. Une parole de connaissance, une parole capable de comprendre, capable de connaître. Une parole de prophétie, un bagage pour Dieu annoncer ou d'enseignement. On parole côté capable penser yo. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Monsieur dit ça. Il dit à qui ça s'est servi pour me venir la ca opé langue min parler. Je dis à grand pile monde qui parle langue, nous pas comprendre pour qui ça. Il dit pour l'apôtre Paul, en accord avec la description donnée dans les actes, le parler en langue est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa langue, mais inutile à tous les autres. À moins qu'il ne soit interprété ou traduit. Paul dit comme ça. Sylvain là, c'est haïtien lié, la parle créole, la parle en langue que nous ne comprenons. À qui ça est utile? À qui ça est utile? Puisque la parle, nous ne comprenons. Et le cas parle, nous parle pour nous. Il dit, Paul dit à moi que ça m'a parlé, il faut que bon monde qui l'a pour interpréter. Là encore, c'est notre problème. Si on passe un campé ou bien un monde quelconque qui s'appelle la parole au monde, s'il pas qu'à interpréter ça, il dit, pour nous comprendre, ou bien l'autre monde qui l'a pour interpréter, quel peut boucher, il va montrer ça la Bible dit. Alors, une fois, nous sommes frustrés. Nous nous sous-estimons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous nous comparons aux autres qui parlent constamment en langue, qui prient même en langue. Et puis nous-mêmes, nous là, nous dans l'église, nous avons demandé, est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé, puisque je ne parle en langue. C'est-à-dire que monsieur là, il parle en langue. À la lumière de la parole de Dieu, après, est-ce que qui j'ai ça fait? Une personne ayant reçu le don d'interprétation des langues, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30, pouvait comprendre ce que disait la personne qui parlait en langue. Un monde qui gagne un don pour l'interpréter, il est capable de comprendre un autre monde qui parle en langue. Cette personne communiquait ensuite le message à tous les autres pour que tous comprennent. Le monde qui parle en langue, il y a un autre monde qui gagne un don d'interprétation, il interprète ça monde en disant pour tout le monde qui arrive à comprendre. Combien de fois nous assistons à un pasteur ou un monde qui parle en langue, nous assemblons, pas de monde pour qui interpréter? Et quand je parle de la qui finit tout à l'heure, j'espère que je me songe. Je dois faire parler dans la salle, ils font des ordres. Je même dit des sottises qu'on va pas espérer dans la langue. Et je vais faire ça, d'accord. Pour ne pas oublier qui t'aime tout. Imaginons on est qui l'esprit monté. Je dis l'esprit monté. Et puis là, parle en langue, il dit comme ça. Attention, papa qui m'apporte le pot de night. Ça, c'est pas les oreilles ou une bombe. Il dit,
Hey papa ou bien attention papa qui apporte le pot de night. Vous voulez comprendre ça? La parler en langue. On va essayer aussi de comprendre ça. Attention papa qui apporte, c'est français. Papa qui apporte, papa qui a porté vini. Le pot qui c'est français. De night, qui c'est de nuit. Mes amis, pot de nuit qui s'allie bavage, bibi. Un homme qui esprit, l'esprit qui dit la parole en langue, il était oh attention papa qui apporte le pot de night. Il va regarder moi pas après le pot français de night c'est de nuit. Le pot de nuit. Là on dit pot de nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Bah mon utiliser frère Pipin dans nuit. Ça pas ta le dos du parler en langue, ça sont des autres. Ake, même le rap tande sa moun ap di, mais ça, son prensan, on se ride moun ap di. Et puis, m'pral pi loin à ou pour m'dou, comme on comprenne que, on do cet esprit baye pi, on pasteur dit ka moutre moun balan. Ou pas moutre moun balan. On moun besoin parler espagnol, il parle l'école, la chita pour la prenne baye. Mais le don du parler en langue, c'est cet esprit qui donne ça. Moun a fort répéter des mots, la fort répéter des mots, il dit qu'on sa répéter ou vin balan. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Mes amis, mes frères, soyez très prudents parce que la Bible est bien structurée, la Bible bien organisée. Si nous avons besoin de la vérité, nous parlons de la Bible. Pas quitter le monde qui apprend nous égarer. Donc, si pas de monde qui peut interpréter que le monde fait silence, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, la Bible dit que ça c'est pour une raison. Moun qui parle en langue, il faut interpréter ça. Parce que si vous finissez un bagage, vous ne pas comprendre, vous ne pouvez pas faire des détails, vous ne pouvez pas expliquer, vous avez besoin de dire. Et donc, même quand il veut dire, des fois, il y a des gens qui parlent en langue, même en français, ils utilisent des mots qui ne sont pas trop connus pour l'embarrasser. Mais si je parle en langue, je ne comprends pas, je ne peux pas parler. C'est même parler dans le niveau de pour comprendre. C'est pas ou pas obligé d'employer un mot ou qu'on n'a pas de signification moi et puis l'on parle au monde, c'est son message que vous voulez passer. Communique ou communique avec lui, il doit comprendre. Donc s'il ne comprend pas nous, ou paraît bête. Si je parle au monde, il ne pas comprendre moi-même, il paraît bête. Parce que je vais voir dans le désert. Parce que je ne pas dire au monde, et puis il va arriver à ce sentir là. Donc la conclusion de Paul au sujet du parler en langue sans interprétation est sans appel. Un monde qui parle en langue, il n'y a pas de monde pour interpréter pour lui, ou bien lui-même, il n'y a pas interpréter ça, ça ne vaut rien. Mais dans l'église, mais ça Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 19, Paul dit, mais dans l'église, j'aime mieux, attendez bien, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 19. Paul dit qu'on sait bien. Dans l'église, je préfère dire seulement 5 paroles avec intelligence. Je ne sais pas si je comprends. Au lieu de venir là, je dis 10 000 paroles en langue et de façon à comprendre. Il n'y a pas vaut la peine. Donc, le don de parler en langue est-il pour aujourd'hui? Mais la question à se poser, mes frères et sœurs, est-ce que le don de parler en langue, est-ce qu'il est valable pour venir? Je ne suis pas oublié. Le don du parler en langue commençait le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous venons de lire ça. Mais qu'on y a, est-ce qu'il y a besoin de ça? Non, pas loin. Non, pas dit ni non, ni oui, parce que son don lié, si son don lié, Dieu n'a pas changé, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il te fait mon parler en langue autrefois, il a fait mon parler en langue, quoi je veux dire. Mais il faut que la nécessité, lui-même, lui là. Si pas de nécessité pour ça, mes amis, pour ça, nous ne parler en langue. J'espère que nous comprenons le matin. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 18, mentionne le fait que les langues cesseront. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, mais leur fin en lien avec la venue du parfait. Les noms lisent dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 18, mais qui ça le dit? Parce que nous nous posons une question à la prochaine, à répondre à travers la Bible. Est-ce qu'il y a une nécessité pour nous parler en langue? Est-ce qu'il y a une nécessité pour nous parler en langue? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. C'est ça? 1 Corinthiens, non, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 10.
Il dit que ça, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lui le parfait. Ce qui est partiel sera aboli. Ok? Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 18, dans le 10, le verset 18, 13-18, on n'a pas 18 là, 13-18, on n'a pas 18, ça c'est son héros. 1 Corinthiens 13, verset 10, pas 18. Donc, anyway, est-ce que ça veut dire que, parce que ça parfait a fini, parler en langue finie pour ça? Certains pensent que la différence de temps des verbes en grec qui disent littéralement que les prophéties et la connaissance sont en train de disparaître alors que les langues ont cessé est une preuve que le parler en langue a cessé avant l'arrivée du parfait. Il est possible que parler en langue n'ait pas de place encore. Il est possible, très possible. On va l'expliquer bien. Il dit c'est possible que vous mettez fin avec parler en langue parce que tu as une raison qui fait le dériver et si pas une raison ça encore c'est même genre hey, ou pas besoin de nous on mari encore pour son Jésus. Ça finit, ça fait qu'on se le voit. Mais ce n'est pas le cas pour le parler en langue. Il dit que mais le texte ne le dit pas explicitement. Le texte n'a pas dit que si parler en langue, pas qu'il doit parler en langue. Le texte n'a pas dit ça. Il dit certains citent aussi des passages comme Ésaïe 28, verset 11 et Joël 2, le verset 8. Il y a des textes textes qui parlent le phénomène qu'on est. Est-ce que le texte veut dire que mon ne pas supposé parler en langue? On regarde d'abord dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe 28, le verset 11, mais qui s'en lit, il dit comme ça que, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Et Joël chapitre 2, verset 28 et verset 29, Joël chapitre 2, verset 28 et verset 29, on regarde ça le dit. Mais ça, Joël dit, dans chapitre 2, verset 28 et 29, il dit comme ça que, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ça veut dire que ça sont possible en prophétie qui fait. Côté, il dit que dans le dernier temps, je vais prendre l'esprit sur tout. Je vais avoir une vision, gain tout, capé gagner des songes. Donc, ça, c'est une prophétie qui fait. Il y a pour si vous êtes capable d'expliquer, est-ce que la Bible, à mon côté, dit clairement que le parler en langue, c'est fini. Le parler en langue n'est plus. Et maintenant, dans Ésaïe 28, verset 11 et Joël 2, verset 28, ils ont montré que le tape-tavelé dit que parler en langue sont signes de jugement. Son signe de jugement. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 22, il décrit les langues comme un signe pour les non-croyants. Parce que pas oublier, le monde qui était là, il n'y a pas de quoi. C'est parce que pas de quoi qui fait, bon Dieu, t'es quitté cet esprit pour tes diverses langues. Pour disciple, pour être capable de faire au connaît, bon message pour faire passer avec quelqu'un qui pas quoi. Donc, c'était un don, le don de parler en langue, c'est un avertissement lancé aux Juifs que bon Dieu t'a pas jugé Israël, pour parce que tu as rejeté Jésus-Christ. C'est ça que j'ai demandé. Est-ce que c'est pour un jugement parler en langue? Est-ce que c'est pas pour qu'il ne pas ton jugement? Parce que il était voulu monsieur comprendre, là où t'as rejeté Jésus-Christ, il a dit monsieur t'es sourd, monsieur t'es boit. Et puis il dit, bon, eh bien, qui t'aime faire miracle ça pour dire que c'est pour bagaille jouet lié. Donc, bon Dieu là-dedans. Par conséquent, après qu'il ait effectivement jugé Israël, lors de la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, le don de parler en langue n'avait plus de raison d'être. Ça, c'est ça qu'on dit. On va supposer parler en langue. C'est possible. Mais l'accomplissement du but originel du parler en langue n'implique pas forcément qu'il doit cesser. Par exemple, il dit dans la Bible que on doit continuer à parler en langue, que on ne doit pas continuer à parler en langue. Donc les Saintes Écritures n'affirment pas clairement que le don de parler en langue est cessé. En même temps, si le don de parler en langue est pratiqué dans l'Église aujourd'hui, il faut que cela se fasse conformément aux Écritures. Il n'est pas dit que
Yo pa ki dwa pale an lang ankon, ni yo kontinye pale an lang, men si la fèt, fòk li fèt konformèman a la parol de Diyo. E eske yo fèt, eske pale an anglè, yo fèt menm jan, eske nou wè sa? Nou pral gade pou nou wè. Li di kon sa ke, si nou dwe pale an lang, fòk li fèt konformèman a la parol de Diyo. Il dwa s'agir d'un lang reyèl. Premièrement, si yo moun ap pale lang, fò lang reyèl. Pase pa bliye, mè sèk te la yo, se pa an lang ke person pa ka komprann. Chaque nation, chaque peuple qui était là, il parle nos langues que tout le monde comprend. Chaque comprend langue pas. Parce que si on nous campe aujourd'hui à parler langue, parce que monde qui comprend ni dans mon langue, ça qui l'a glié. Mais maintenant au moins, si ça c'était sur bon langue ça, il y a environ 7000 langues dans le monde, il y a environ des milliers de dialectes pour nous parler langue, parce que monde dans mon langue qui interprète quelle langue ça. Il faut que cela se fasse conformément aux Écritures, ça c'est sûr. Donc, il ne doit pas s'agir d'une langue, il doit s'agir d'une langue réelle et intelligente. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10, non, ça. Parler dans le but de communiquer la parole de Dieu à une personne d'une autre langue. C'est pour langue sans parler, c'est pour communiquer avec un autre monde, pour le comprendre la parole de Dieu qui ne peut pas parler langue. Ça. Dans Actes chapitre 2, verset 6 à 12, et en accord avec le commandement de Dieu transmis par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Y a-t-il qui parle en langue que deux ou trois? Ça c'est Paul qui a parlé. Paul a parlé dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, le chapitre 2, verset 6 à 12. Il dit, y a-t-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que chacun interprète? Il dit, si il y a un monde qui parle en langue, mais qu'il y a une, deux ou trois et même plus parler, mais faut chaque parler. Il y en a après l'autre. Ou qu'on y vient dans l'église et tout le monde en pays. Tout le monde dit, oh, on va 10 pour dans l'église à parler, à parler. Non, ça n'a pas de Dieu. Il dit si pour que parler en langue, si que 3 monde qui parle en capon, c'est pour faire l'un après l'autre et les faire l'un après l'autre, faut qu'on interprète. C'est pas venir là pour Dieu pas quelque cause pour vivre droit aller. On passe comme son cher, il commence à parler, parler pour tête lui. Mais si la communion à croire, on dit parler avec esprit la parler, pas des monde qui comprennent. Ce qui nécessite gagner pour venir là parler personne va comprendre. Et moi même je toucher la Céleste, on s'assoit là qui sont à Céleste qui a sauté, volé pompé, yo parle en langue, regardez non, yo commencé sauter depuis. Oh Lord. Il dit s'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise. Si pas gain monde qui ca interpréter sortir, on va ca interpréter peu bouche. Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Soit parle en langue personne comment ça tu dois parler. Parce que sortir c'est vous comprenez ou bien avec mon Dieu. Bon Dieu comprenne, on ne va pas parler pour le monde, ni pour le monde comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28. Le parler en langue doit aussi être pratiqué conformément à 1 Corinthiens 14, verset 33. Regardez dans 1 Corinthiens 14, verset 33 qui ça le dit. Parce qu'il dit, parler en langue doit être appliqué conformément à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Corinthiens 14, 33. Il dit parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oh, yeah. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Parce que si on monde gagne don pour parler en langue, il n'est pas qu'à interpréter, il n'est pas obligé de parler en langue. Parce que l'esprit prophète est soumis à la prophète. Pourquoi on a des gens qui ont assemblé et puis ils commencent, on a commencé, on a dit le rempli de cet esprit. Et puis on a commencé à voir et puis ils frappent les gens. Si c'est fini, levez regardez, vous êtes en Bali. Les dit comme ça, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Parce que ceux qui cet esprit, mon Dieu, n'ont pas capable ou pas contrôler tout, something is wrong. Mon Dieu, pas jamais voir l'esprit sur mon et pour mon nap, la vie, mais libère mon calotte, j'ai mon pété. Quand on compte les vacances, nous pouvons jamais faire une manifestation, on a tiré puis elle crasse chez eux l'église. Come on, ça n'est pas de Dieu. Comment on a nous assemblé? Ou pour esprit, pour commencer, des fois, mon homme va aller tirer dans le frapper mon. Et c'est ça que l'esprit a parlé en langue. Donc, il faut être très prudent. Et à ça, d'après, pour nous capables de comprendre, est-ce qu'il y a des dieux? Et d'après, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu peut parfaitement donner à quelqu'un le don de parler en langue pour lui permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre. Bon, Dieu est capable de parler en langue pour communiquer avec l'autre. Par exemple, on dit ça déjà. Si nous faisons ce service-là, nous sommes haïtiens.
Et puis miraculeusement, un Chinois vient dans le temps. Pas les Chinois. Et c'est m'a prêché. M'a prêché Sinaloa, m'a prêché pendant 45 minutes, pendant une heure de temps. Chinois dans le temps. Dans le moment ça, bon Dieu capable de servir avec moi. Liban moi immédiatement le don du parler en langue. Liban son faux message passé à Chinois. Yep. Parce que c'est Chinois dans le temps. Et si ce n'est pas Chinois seulement, ou du moins, si moi-même, je fais communiquer Chinois, ça, Chinois, je ne vais pas comprendre, bon Dieu, je vais interpréter en dedans. C'est ou bien m'interpréter, ou bien vous interprétez en dedans, quand je dis, mais ça, serviteur a dit. S'il n'est pas comme ça, zipop. D'après la Bible, zipop. Ils ont dit qu'on s'éteise. Il dit, zip le prochain. Parce que bon Dieu, pas des ordres. Il dit, le Saint-Esprit est souverain dans la distribution des dons spirituels. Nous avons tout ça dans l'air. C'est cet esprit seulement qui charge. Tout don monde a recevoir, c'est cet esprit. Il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Cet esprit seulement, ce n'est pas ni Jésus-Christ, ce n'est pas ni bon Dieu, papa, mais c'est cet esprit qui fait la distribution des dons. Si besoin d'en parler en langue, cet esprit a porté le mot. Il faut prier bon Dieu, il dans la volonté de bon Dieu, il a porté le mot. Si besoin de sagesse, demandez cet esprit qui a porté ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Imaginez combien de missionnaires pourraient être plus efficaces si au lieu d'être forcés d'étudier les langues, ils étaient immédiatement capables de parler celles de leur public. Comment comprendre qu'on n'a pas qu'être missionnaire en Haïti? Nous ne savons pas les créoles. Nous ne savons pas les créoles, c'est pour montrer qu'il y a des bagages qui font, c'est bon, il était fait, pour que ça le fait, et c'est le cas fait encore. Missionnaire, ça ne va pas parler créoles, mais aller à qui est-ce à l'évangéliser, c'est les Haïtiens. Grand pile qu'à l'autre bois est obligé de perdre du temps pour apprendre créole. Donc, capable, il y a un élément, monsieur très connu, l'autre bois, je ne sais pas si j'ai nommé. Monsieur parle créole, puis il est passé ici. Monsieur est dans zone cap. Monsieur parle. Donc, on voit là, il y a quelques movies, je ne sais pas si j'ai nommé. Monsieur plus haïtien, c'est passé ici. Parce qu'il parle créole là bien, il connaît manger bien, monsieur ne fait pas quatre temps. Mais ce n'est pas deux parler en bien, c'est chita dans le pays, puis vivre dans le pays, apprendre. Il dit que c'est plus facile pour missionnaire. Si pendant à l'évangéliser américain à l'évangéliser haïtien que on pas parler créole et puis il a gain le don de parler en langue même quand il a commencé à évangéliser créole mais il pas fait comme ça en pile missionnaire qui quittait ici qu'en Haïti qu'elle était chinois qu'elle était américain il est obligé à apprendre créole pour cap communiquer avec le peuple haïtien parce que si parler en langue n'était facile il a venir vivre l'autre bois et puis il a commencé ces missionnaires il a fait le travail de Dieu il a commencé à parler créole non. Et ça fait mal de gros pasteurs. Tu comprends ça que nous-mêmes, nous n'avons pas parlé comme ça. Il a parlé bon et puis le gars a changé. Et puis ça l'a dit, c'est même bagaille. Il a répété même bagaille sous chair. C'est pour intimider les gens. Pour intimider les gens. Il y a ou même une force en tout inférieur, parce que la langue n'a pas changé. Et moi, je pose une question plus tard, est-ce que si on ne parle pas la langue, on va sauver comme ça? C'est la première question qu'a posé lorsqu'on a manifesté par la langue, on n'a pas qu'à faire libre. Mais c'est ça qui a passé. Donc pourtant, Dieu ne semble pas agir dans ce sens. Toute mission est ça, c'est le travail que Dieu a fait. Mais pour que ça, bon Dieu, pas t'a capable de parler en langue tout. Au lieu d'arriver pour aller perdre du temps pour apprendre créole. Parce que créole, c'est une langue qui est facile. Si on ne parle pas anglais, on ne parle pas créole. À qui sont pas les français? Parce qu'il y a des mots similaires, mais qui sont capables plus ou moins adapter. Mais si on ne parle pas anglais, pour que tu parles apprendre créole, mon cher, pour que tu parles créole. Après, t'es beau calme. Et même, il y a trop d'hommes qui sont d'Haïti ou venus ici. Comme peut-être pas ici, c'est un peuple qui est intelligent. Il y a tout le monde. Mais pour un Américain, si seulement parle anglais, pour le Nalaïti, pour le parler créole, là, pour te calver, là, pour souhait. Bon Dieu, t'es qu'à opérer tout son missionnaire. Pour ça, bon Dieu, pas plagon d'eau de parler en anglais. Puis, il apprend, il connaît. Non, il a fait comme ça. Il y a une circonstance qui te fait. Et monsieur, t'es parlant anglais, il va continuer à parler en langue. Le jour de la Pentecôte, monsieur, t'es parlant anglais, il va pas continuer à parler en langue. La Bible dit ça. Il te parle en langue. Dans un temps bien déterminé, dans un espace bien déterminé, pour un bagage bien déterminé, automatiquement, le bagage a fini. Période, il retourne parler même langue. Et langue, ça va parler, on va en parler encore. Et c'est nous là. Amen. Alors, ne qui dit parle langue, chaque jour, il vient sous chair, son seul mot à répéter. Kabbalah, la malalka. Ne qui se voit. Pour qui raison? À qui fin? On doit se poser des milliers de questions. Donc, mon Dieu n'a qu'à faire ça. Mais il n'a pas fait, il n'a pas fait ça. Le parler en langue ne semble pas exister aujourd'hui. Comme à l'époque du Nouveau Testament.
parlant en langue, pas même gens encore, même gens dans le Nouveau Testament. Pas dit pas existé, non? Loin de là, cette pensée. Mais Jean était dans le Nouveau Testament, au jour de la Pentecôte, comme il a quitté le pas comme ça encore. Parce que mon Dieu était fait pour une raison bien déterminée. Bien qu'il serait très utile, il est utile qu'on y a. Si on est en missionnaire d'arriver à côté, par exemple, vous voyez ma mission en Chine, je parle chinois, et puis même côté de l'Ivère, il y a d'autres parlants, on parle chinois. La grande majorité de croyants qui disent pratiquer le don de parler en langue ne le fait pas conformément au passage des Écritures mentionnées. En pile monde qui l'église, que soi-disant, il y a un don pour parler en langue, il n'y a pas fait conformément à la parole de Dieu. Il n'y a pas fait. Il fait des autres là-dedans, quand pile bagaille quand pile bagaille moun yo dit, ou pas comprendre pour qui ça ou dit, donc ou pas comprendre ni, ou même non plus ou pas comprendre ni, et gen même moun qui vive à enseigner moun comment parler en langue. Pour pas qu'on chame de côté dans la Bible qui dit qu'on a l'école pour montrer moun parler en langue. Et moi même tande, soit dans réseau social, quelques réseaux sociaux, et puis pasteur qui a montré moun pour parler en langue. Je dois répéter à Malachi, à Malacha, ou répéter les pieds, n'importe place à Malachi, à Malacha, je ne sais pas comment parce que. Pas connaît qui ça veut dire. Yo pas enseigner moun parler en langue. Parler en langue son don lié, c'est bon Dieu baili. OK? Ou pas qu'a faire moun mettre chita pour la penser ou parler en langue. Et si pas gain nécessité, pas dire ça qu'on fait clair. Ou pas qu'a venir là c'est haïtien noyé pour bon Dieu bon langue pas va comprendre. Et au compte ça qui est triste, c'est que si c'est à bon Dieu m'a parlé, bon Dieu parle créole. Si bon Dieu m'a parlé créole, grand pile monde haïtien t'a pris depuis jodi a eu bon Dieu m'a t'attendre. Bon Dieu parle créole, bon Dieu parle toute langue qu'on connaît. D'ailleurs, il est le maître des langues. Donc pour qui ça me sont haïtien, me camper et puis deux qu'on m'a parlé en langue. Ça lui fait là. Pas vrai dire ça encore pour nous finir. Moi pas dit que parler en langue fini, mais parler en langue c'est pas même genre Nouveau Testament. Au jour de la Pentecôte. Ça pas existé. Je ne pas dire continuer tout. Mais je veux que mon Dieu, lui, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça a été fait dans le passé, il a fait dans le présent, et il a refait encore dans le futur. Mais il faut qu'il y ait nécessité pour ça. Qui nécessité qu'il y ait pour parler en langue, nos communautés, côté où nous parlons en langue en commun. On est tous haïtiens. On parle tous le créole. Et pourquoi une langue étrangère parmi nous, soi-disant, c'est le don du parler en langue? Posez cette question. Moi, je viens avec étudier ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour ne pas se trouver frustré. En tant que croyant, l'homme n'a pas la langue, je ne sais pas parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui sont influencés, qui se laissent influencer par d'autres. Il y a des gens qui sont chita à côté, qui ont une bonne attitude, et puis ils disent, où t'as remis tout? Et puis, même côté, il y a des gens qui sont en tête. Si son mauvais esprit moun nan gen la pinatèt parce que si son besoin, si son esprit ka fait parler en langue qui parle de Dieu, nan mou pral gen tout parce que c'est son vle fait. Ou ta parler en langue, ou ka bien ton parler en langue. Et pour qui raison pas parler en langue? Qui kote ou pral? Est-ce qu'on parle en Chine? Est-ce qu'on parle au Japon? C'est Haïti, en Haïti, aux États-Unis ou parle anglais? C'est sûr ou parle anglais? Ou pas besoin de ton parler en langue pour parler anglais? Parce qu'on connaît anglais. Ou pas besoin de l'autre parler après pour parler français, autant de français. Même sûr que c'est un second langue ou pas parler. Grand monde, bon Dieu, le fort, communique un message. Bon Dieu, style que pouvoir pour le fort cadeau, de parler en langue et puis immédiatement, ou parler en langue, vous ne comprenez et puis ça finit. Si son, ah ouais, que chinois, parle ou parle chinois et puis ça finit. On va pas continuer à parler chinois parce que je vais dire chinois. Et c'est nous là même. Amen. Merci. Donc, de ce fait, Frère Maxime, bagay ça, tout ça nous dit, maintenant pour nous conclure que le don de parler en langue a cessé ou est en tout cas devenu rare dans le plan de Dieu pour l'église d'aujourd'hui. Ça nous est capable de conclure, c'est ou bien de parler en langue fini, ou du moins s'il n'est pas fini, il n'est pas manifesté même encore. Parce que pas de nécessité pour ça. Donc, les non-moun a parlé en langue, posez cette question. Moi-même, pas là pour me dire, moun parle en langue, c'est pas en langue la parler. Il a parlé en langue, mais est-ce qu'on y a demandé qui langue a parlé et qui côté le veut en langue? Et pour qui ça la parle en langue? C'est faux pour une raison. Et non, pas raison d'après la Bible,
pour mon parler en langue, frère Maxime, il faut qu'il arrive au côté, un message, bon Dieu, confie avec un monde ou un peuple qui ne parle pas le même langue avec. Le moment ça, bon Dieu, fait parler langue, et langue ça, il parle, il va continuer à parler parce que c'est pas langue pas liée. Bon Dieu, utiliser le fait le cadeau de langue, c'est pour faire passer un message point bas. Et si on monte tout le temps, si on parle en langue, something is wrong. Ça, je suis capable de dire. Parce qu'il n'y a pas de nécessité pour nous assembler chrétienne, haïtienne, et puis pour tout le temps, je ne parle pas la langue. C'est haïtien mieux. Si ça, bon Dieu, je parle, bon Dieu, comprend le créole. Le peuple qui devant nous, c'est haïtien, oui. C'est pour me parler créole, vous comprenez. Donc, que bon Dieu bénisse, j'espère que, ou même qui t'es frustré, lorsque vous parlez en langue, parce que vous regardez dans la TV, un paquet de pasteurs, vous parlez en langue, tic tic tic, vous parlez en langue, vous comprenez? Et vous forcez vous parler en langue, vous forcez vous parler en langue. Nécessité. Donc, soyons clairs là-dessus. Si bon Dieu nous parle en langue, la foi parle en langue, nos milieux qu'on nous parle en langue, pour une raison qu'on nous parle en langue, avec un peuple que lui-même lui doit adresser nos messages. On a prié. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que la Bible c'est comme un guide. Oui, c'est un boussole. La Bible c'est réponse à toutes les questions. La Bible c'est la solution à tous les problèmes. Donc si vos bagages n'ont pas clair, c'est pour aller dans la Bible pour nous voir pour qui ça le fait. Et donc nous merci avec des textes bibliques. Nous comprenons que parler en langue était fait pour une raison le jour de la Pentecôte. Et nous pas sous-estimer que le don du parler en langue a cessé, mais comme ça tout Seigneur, nous pas arrêter quoi que on monte à parler en langue pour critiquer pour sans raison. Donc on est fidèle. La Bible dit nous que ou pas changer car tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Si vous voulez au monde parler en langue pour une raison quelconque, vous faites pas son message ou style qu'a fait. Mais c'est pas un monde qui parle fouet mais prend une langue que personne va comprendre et puis commence à parler pour intimider monde. Donc merci pour toute lumière ça a offert pour nous à travers parole et de nous comprendre plus et plus et plus davantage. Et pour nous capabilité, Seigneur éternel Dieu, dans l'apparence pour nous capabilité Seigneur et dans tout ça qui est clair, qui paraît clair devant nous et pour ne pas quitter un rien troubler nous dans l'esprit. Prier ou pour moun qui était troublé du fait que y a tendez moun parler en langue, y a rien parler en langue, y pensait que y a perdu. Non, parler en langue sont dolier. Si on moun sauvé ou pas obligé parler en langue. Quand ça tout sous sauvé, bon Dieu faut cadeau le don parler en langue, il capable. Donc Père, merci parce que fait qu'on tout ça et continuer Seigneur à travailler dans nous pour éclairer nous pour nous comprendre que parole ou li là, li gen toute réponse à toute question. L'ouvrir Dieu, nos Seigneurs, pour nous connaître ça qui est bien, pour nous faire ça qui est bien, et pour nous éviter ça qui est mal. Avec nous, ce matin, nous remercions parce que tu es avec nous tout au long de ce service. Espérant que Seigneur, semaine ça, capable une semaine qui est fructueuse, une semaine qui est au bénéfice de nous-mêmes. Et nous prions très spécialement pour le peuple haïtien. Dans le moment, ça nous par contre qui ça a passé, parce que 7 février, son jour, tu es préparé pour défendre pile bagaille. Mais nous connaissons l'homme propose, Dieu dispose. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le destin de Dieu qui s'accomplit. J'espère que Seigneur, vous allez mettre la paix dans le peuple là et vous allez avoir une vision autre pour le pays, mais pas pour intérêt personnel. Et comme ça, il y a suspendu craser, il y a suspendu briser, il y a suspendu retirer la vie. C'est qui que nous. Donc pour tout le monde qui assiste au service, faites provision pour semaine ça pour vous, sécurisez vous et bien vous bonne santé. Espérant que dimanche prochain, si vous voulez, nous encore ensemble pour nous continuer non seulement faire service mais étudier parole. C'est dans nos Jésus qui sont prions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis, merci. Merci pour temps, merci pour attention, merci pour sagesse malgré temps mauvais, mais on vient quand même. Et moi clamer dans le Seigneur une bénédiction spéciale pour vous-même qui t'ai fait le déplacement, pour te venir supporter service là. Et que bon Dieu va bénir en abondance. Il était seulement pour me dire, avec amour que j'ai pour vous, avec tout plaisir, moi. Les moi, ouais, moi content pour me dire bon après-midi, bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci et à la prochaine.